Oui, bonjour mesdames et messieurs fidèles internautes. Oui, je vous remercie beaucoup. J'ai la joie de savoir que vous êtes nombreux à me suivre à ce moment. Je remercie beaucoup, merci beaucoup tous mes amis, tous mes abonnés de ma chaîne YouTube Rumba Musique et de mes deux pages Facebook Rumba Musique et Jonzo Musique et aussi de mon groupe Facebook Rumba Musique TV. Aujourd'hui, nous allons parler de Henri Brouanet. Henri Brouanet, qui est Batoumine, la bête à l'issue. On va savoir qui était-il, qu'est-ce qu'il a fait dans notre musique, dans la musique congolaise qui est la rumba. Alors, Henri Brouanet est né en 1926 et décédé en 1992. Il était une figure influente du développement de la rumba congolaise, de la République démocratique du Congo. Et puis, Henri Brouanet, il a été le premier patron professionnel et le premier mentor du grand maître Luambo Makiadi. C'est lui, Henri Brouanet. Alors, sa profession, il était musicien, auteur, compositeur. Et l'instrument qu'il utilisait, c'était la guitare électrique. C'est ça. Alors, pour le début de sa carrière, Brouanet a pris de l'importance de la scène musicale de Léopoldville à la fin des années 1940, dans laquelle la musique du style cubain s'est combinée avec le style lingala. Guitariste, chanteur et chef d'orchestre, Brouanet a été jumelé avec les chanteurs, guitaristes et Wendo Colosoy par les disques Ngoma. Et Ngoma a été fondé par Nicolas Géronimidis et son frère, homme d'affaires grec basé à Léopoldville. En 1947, elle a été l'une des premières maisons de disques congolais à produire de la musique pour les marchés africains. Brouanet était venu à Léopoldville au milieu des années 1940, vit des groupes comme celui de Wendo. Il retourna dans sa ville natale pour fonder son propre big band, Victoria Cocilatville. Et en 1947, il retourna à Léopoldville et monta rapidement sur la scène musicale. Alors que lui et Wendo Colosol étaient chanteurs et guitaristes, Géromidis a filé à force, mettant Wendo au chant principal. Et laissa libre cours à Brouanet sur ses longues lignes de guitare en cascade. Ces longs ponts, développés à partir des styles folkloriques congolais antérieurs, étaient appelés sebeng, répétés en raison des accords de certains préférés des musiciens congolais. Les cris sebeng précédaient souvent des longs solos de guitare, d'abord propulsés par Brouanet. Maintenant, nous allons parler de la chanson Marie-Louise. Bien que Wendo s'était déjà établi parmi la première génération de musiciens congolais, mais le premier succès de Brouanet avec Wendo était aussi le premier énorme succès de musiciens plus établis. La chanson, premier titre véritablement international de la rumba congolaise, fut Marie-Louise, co-écrite en 1948 par Wendo Colosoy et Henri Brouanet. Grâce à la publicité de Radio Congolia, ainsi qu'à la polémique qui suit entre Wendo si la par Wendo, contrarié par la richesse d'Henri, aux accents salaces, la chanson devint un succès dans toute l'Afrique de l'Ouest. Avec son succès vire des ennuis, la chanson avait des pouvoirs sataniques qui lui attribuait les catholiques, dont les chefs religieux. Dans des histoires de l'époque affirmaient même que la chanson, si elle était jouée à minuit, pouvait ressusciter des morts.
Donc, c'est ce que la rue racontait, hein, mais on n'a pas prouvé ça. Et la filière a chassé Wendo de Kinshasa et a entraîné un bref emprisonnement par les autorités belges de Stanleyville et son excommunication de l'Église catholique. La combinaison des paroles et des voix africaines avec des voix africaines avec des ressorts et de l'industrie du disque. Donc c'est ça. Nous parlons de Wendo Colossoy et de la chanson Marie-Louise. Alors, avant de continuer, j'ai fait mettre un peu une pause là-bas. On va maintenant suivre cette chanson, la chanson Marie-Louise. Et ici a été chantée par Wendo Colossoy, mais il a été accompagné par Bouane. On va suivre cette chanson Marie-Louise qui avait fait du succès à l'époque. Vous savez, Wendo chantait souvent seul, mais pas toujours. Il a chanté avec un artiste que vous connaissez aussi, qui s'est absenté du pays. Il est allé très loin, au Togo. Il y est resté plusieurs années. Il a fait une réapparition à Kinshasa, voici 3 mois. Et il va chanter avec lui. Voici Bouane. Louisa, nako balase, Louisa, nako dila yebo kila lobi, Louisa. Solo pendanga nako bala Louisa, bokila pendanga na yenge libala, ngai na ye, toringani, libala nangai na yo mama Louisa, wapi Louisa emo. Wendo alingi komo na mama Louisa, bongo apesa na bo wane ho, wapi Louisa. Solo bo wane bola gitar, kombo lindanda, pelike mbe wanga ye. Wendo yokolo papamba, biso tozali na voiture, biso tozali na mingongo na biso. Toko kima na yezela kinga bwae Solo pana na yoki tombo yalo laka Oyo bako onje mbangai Bako tunangai Wendo so Kataloke ya kuyemba gitar Marie Louisa Marie Louisa Solo mpenda na kubola gitar Peli kembe na ngampe na violo Wapi Louisa na ngai mama Bola gitar Salam da bina bobon zanga ile balinga banga yoka bobane Akoze mape, nalindanda, solo ngai weno, so mama e, ayo. 30 ans quand même, hein. Bien, vous allez le voir, comme tout spectacle bien conçu, il démarre un petit peu comme le train et petit à petit il prend de la vitesse. À la vitesse de croisière, vous serez étonné. Parce que moi-même, en regardant la répétition, je n'en revenais pas. Voici celui qui a donné en somme son nom à la musique zaïroise moderne d'une époque. Une époque que nous n'avons pas encore fini de traverser finalement.
parce qu'il a fait en somme quelque chose que personne n'a pu faire. Dans un catalogue chez Ngoma, sur 500 productions, 400 étaient de lui. Voici Wendo Colossoy. Janio na taboye Saki passe en libier na kope sambangu mbangu E kome toke na mboka wendo Ie komi ya bitumbay Saki passe en libier Ae na pe sambangu mbangu Ole, 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 ole la composition de Wendo Colossoy et Henri Bowani aussi l'avait aidé. Alors, un auteur a fait valoir que cette musique sophistiquée basée sur la musique africaine et non produite par les colonisateurs blancs attirait particulièrement les Africains en général et les Congolais nouvellement urbains en particulier. Et les marchands grecs et libanais, incontournables de l'Afrique francophone coloniale, ont été parmi les premiers à apporter du matériel d'enregistrement et des pressages des disques en Afrique tropicale. L'entreprise Ngoma de Géronimidis fit l'une des premières et des plus performantes. Géronimidis et les musiciens Barstorm autour du Congo belge dans une camionnette Ngoma peinte de couleurs vivent jouant et vendant des disques. C'était à l'époque. Alors, la critique musicale ainsi créée a non seulement propulsé la rumba congolaise vers la gloire, mais a commencé à développer une critique nationale pour la première fois. Au début des 1950, alors que Wendo restait chez Ngoma, Bowane s'installe sur le nouveau label de Géronimidis, l'Onigisa. Bowane est devenu l'influence musicale dominante sur le label alors qu'il quittait les devants de la scène et assura les rôles de producteur. Écrivain et propriétaire impressionnant de la première discothèque de Léopoldville, Quint. Alors, Bowane est connu comme le musicien africain le plus titré de son temps et il est réputé pour avoir été le premier homme noir du Congo belge à posséder une Cadillac. Donc, pour les albums, Bowane a réussi un album, Double Prise, Talaka, en 1976. Bon, ça, c'était un peu l'histoire de Bowane. Alors, on va suivre une autre chanson. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de clips vidéo. Il n'y avait que des concerts. Alors, nous allons chercher une vidéo de Bowane. Avec Molengi Show et toutes les filles là qui ont chanté avec elle, avec lui plutôt. Suivons la chanson. Mmh.
sose malembe o Bambangu baleka banoki basala yabiso se malembe o yabisu 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 yabiso se malembe o gita Molengi Show et Afi vient d'interpréter deux chansons composées par Boane. Oui, mes fidèles abonnés, là nous venons de suivre Boane, celui qui jouait à la guitare, hein, et l'équipe Madame Ming. Alors je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé à suivre cette interview, cette émission, plutôt cette émission. Que j'ai fait pour Sir Boane, Henri Boane, que Batuming Babeta Susso n'a été. Henri Boane, tout le temps, on a fait la guitare, on a fait Marie Luz dans la window console. Il y a un premier mentor, il y a l'homme Makiati. Donc, c'est ça. Alors, si vous avez des suggestions, écrivez-moi. Pour vous féliciter, moi, si c'est possible. Alors j'ai fait un peu des émissions pareilles, moi 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pour n'a pas comme ça, ma matériel n'a rien, dans le salon. Ce qui est bon, vous aimez mes vidéos, vous partagez à mon pays, vous allez en plaisir, ma casse. Alors, n'a qu'à ici, dans ce qui en a, n'a pas ici, je vous remercie beaucoup, vous, mes fidèles abonnés. Je vous remercie beaucoup. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et je remercie mes abonnés de ma chaîne YouTube de Rumba Music, de nos pages Facebook Dionzo Music et Rumba Music, et mes abonnés aussi de mon groupe, groupe Facebook Rumba Music TV. Je vous remercie beaucoup.
Alors, je vous dis à la prochaine occasion.